Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 3 décembre. Voici les titres. La centrale de la Coche près de Moutiers fait l'objet d'importants travaux d'agrandissement depuis maintenant 4 ans. Pour renforcer sa production, elle vient en effet pour l'occasion de se doter d'un nouveau stator, la partie fixe de la turbine, une installation très impressionnante. On parlera aussi des Jeux Olympiques d'hiver qui se préparent. Une délégation chinoise s'est rendue à Chambéry pour l'occasion. Et c'est l'occasion également pour les entreprises savoyardes de faire connaissance avec des entrepreneurs. Avant de développer les titres, tout de suite, on va parler des Gilets jaunes. Ils étaient une centaine samedi sur le viaduc des Aigrats à Passy pour organiser le filtrage de véhicules. La manifestation était encadrée par des forces de l'ordre, mais la situation a dégénéré dans l'après-midi. Le préfet avait demandé une intervention des CRS pour débloquer le site le matin. Après l'utilisation de gaz lacrymogène, les CRS ont fini par charger pour disperser la foule. Et samedi, toujours, un groupe d'une vingtaine de gilets jaunes s'est rendu au siège de l'ONU à Genève de façon pacifique. La police diplomatique leur a demandé de partir sous peine d'interpellation. La manifestation s'est déroulée dans le calme. On parle maintenant d'une centrale électrique. Absolument. Donc la centrale de la Coche, près de Moutiers, produit l'équivalent de la consommation électrique d'une ville de 225 000 habitants. Elle connaît un important chantier d'agrandissement depuis 4 ans pour renforcer sa production. Le chantier est terminé à 80% et le cœur même du nouveau groupe de production est en train d'être installé. Fanette Debuisson a pu assister à cette étape très très impressionnante. Il aura fallu des mois de préparation. Cette pièce de 7,50 m de diamètre a été montée sur place. Ce matin-là, le stator de 330 tonnes est déplacé de quelques mètres pour être installé dans son habitacle définitif. L'opération est délicate, mais rapide, grâce à ce pont roulant pouvant supporter 400 tonnes. C'est ça qui est assez surprenant, c'est que l'opération de transport du stator, c'est une opération très rapide. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que une pièce comme ça qui est assemblée sur site nécessite des longs mois de préparation. Donc la carcasse métallique vient en plusieurs morceaux qu'il faut souder. Ensuite, on a mis plus de 90 000 tôles magnétiques. On a testé tout le stator électriquement. Et c'est toutes ces phases de test qui prennent beaucoup de temps qui sont en fait couronnées par cette dernière opération de mise en place. Et qui n'est que le début du montage de ce groupe Pelton, le plus puissant groupe Pelton de France, 240 MW, qu'EDF est en train de mettre en place à la centrale de la Coche. Le rotor, la partie tournante, prendra place dans le stator fixe d'ici la fin de l'année. Au mois de février, la route Pelton sera installée, concluant ainsi le montage de ce nouveau groupe de production. Le cinquième de la centrale de la Coche installée depuis plus de 40 ans près de Moutiers. Il sera alors le plus puissant de type Pelton de France. En gros, il y a trois grandes familles de turbines. Et là, c'est une turbine plutôt donc à haut jet, dont le principe a été choisi pour pouvoir résister au mieux aux abrasions que nous procure en fait la silice dans l'eau qui est présente dans nos montagnes. On va turbiner, c'est-à-dire produire de l'électricité préférentiellement avec ce nouveau groupe qui lui résiste bien à l'abrasion, on va dire ça comme ça. Et on va garder en fait l'aménagement existant plutôt pour l'utiliser en pompe. Parce qu'en fait, on est ici sur une centrale qui s'appelle une STEP, une station de transfert d'énergie par pompage. C'est une centrale qui est capable de travailler, de fonctionner dans les deux sens. Dans un sens, pour produire de l'énergie quand on en a besoin. Et dans l'autre sens, de pomper l'eau pour la remonter dans le bassin supérieur. Et du coup, garder l'eau sous forme d'énergie potentielle. Et on s'en sert quand on en a besoin, c'est-à-dire pendant la journée. La centrale verra sa capacité de production augmenter de 20% avec la mise en service de ce nouveau groupe dans un an. D'ici là, le chantier se poursuit avec plus de 200 personnes mobilisées chaque jour. Coût total de l'opération, 150 millions d'euros. Coup dur pour le critérium de la première neige de Val d'Isère. La Fédération internationale de ski vient d'annoncer l'annulation des trois courses dames prévues les 14, 15 et 16 décembre. Le snow control effectué ce matin par les experts de la FIS s'est avéré négatif car les conditions météorologiques ne sont pas favorables. La Fédération internationale de ski devrait annoncer rapidement des solutions de remplacement. Saint-Moritz serait en bonne position pour accueillir la compétition. Les hommes ont rendez-vous ce week-end pour le géant et le slalom. Nous serons d'ailleurs à l'occasion sur place avec accès direct ce vendredi. Du ski encore avec une délégation chinoise présente à Chambéry. Oui, on reste dans l'univers du ski. Les prochains Jeux Olympiques d'hiver se déroulent à Pékin en 2022. Dans le cadre des préparatifs de l'événement, une délégation chinoise a été reçue la semaine dernière à Chambéry.
Le maire de la ville, Michel Dantin, était accompagné du président de la région, Laurent Wauquiez, pour accueillir les représentants de la province du Hebei. Les entreprises de la région ont quant à elles pu rencontrer des entrepreneurs chinois, l'occasion donc de tisser des liens et d'exporter le savoir-faire savoyard en matière de sport d'hiver. Victoria Lopez a assisté à ces échanges. Reportage. La Chine et son milliard d'habitants se mettent au sport d'hiver. En 2022, Pékin et sa région organiseront les Jeux Olympiques. Le gouvernement chinois veut en profiter pour développer la notoriété des sports de glisse dans le pays. Objectif, que 300 millions de Chinois se mettent au ski. Et pour atteindre ce chiffre, la Chine fait appel au savoir-faire français. Les Chinois ont repéré la qualité de nos savoir-faire. Évidemment, la soirée de ce soir est une fierté parce que c'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs années, de plusieurs générations, et puis de négociations de quelques mois. Des négociations qui ont mené à la signature de 11 accords commerciaux. Ces contrats lient les entreprises savoyardes du secteur de la montagne aux stations chinoises. Une internationalisation encouragée par le cluster montagne. Les contacts avec la Chine ne sont pas nouveaux. Il y a des contacts qui datent de 20 ans et c'est un travail de longue haleine, c'est du relationnel, c'est de la diplomatie. Ce sont des rencontres, ce sont des événements, des gens qui viennent chez nous, qui voient ce qui se passe et la manière dont nous coopérons avec les destinations en France. Et puis des collaborations qui se tissent au fil du temps. Les Jeux Olympiques interviennent aussi comme un accélérateur pour les entreprises du territoire. C'est forcément un booster localement qui pousse les investisseurs à développer des nouveaux sites de montagne, mais c'est également une vraie volonté du gouvernement chinois que de développer des nouvelles stations, mais également de mettre une majeure partie de la population au sport de glisse, au sport de montagne. Donc c'est évidemment un plus que d'être là aujourd'hui, que de leur montrer nos centres de R&D, comme on a pu le faire, basés en Savoie, nos unités de production et l'ensemble de nos dernières innovations. Mais les portes de la Chine ne se sont pas ouvertes uniquement aux grandes entreprises. Snook est une start-up, elle s'est lancée le défi de remettre le parrain au goût du jour. La petite luge en bois typique créée à Manigaud en Haute-Savoie devient un engin de glisse innovant qui pourrait rencontrer le succès auprès des Chinois. En France, pour l'instant, c'est une activité encore qui est assez confidentielle et c'est une activité qui va croître parallèlement en France et en Chine, alors qu'aujourd'hui, on est plus à leur amener des techniques ou des choses qu'on pratique déjà depuis longtemps. Et là, c'est vraiment dans les deux pays que ça va grandir en même temps. Et ça, c'est assez fabuleux de vivre cette expérience. Reste maintenant aux athlètes savoyards de briller autant que les entrepreneurs à Pékin en 2022. Samedi matin, à l'occasion du salon Terre Gourmande, Christian Monteil, président du département de Haute-Savoie, et Hervé Guémard, président du département Savoie, étaient présents pour lancer officiellement la politique pastorale du Conseil Savoie-Mont-Blanc qu'ils président tous deux. Une nouvelle démarche commune qui a pour principal objectif de redynamiser les productions laitières des deux départements pour renforcer leur viabilité économique et leur attractivité. Juliette Vincent-Seigné s'est rendue sur place. C'est une véritable avancée pour l'activité pastorale sur le territoire de Savoie-Mont-Blanc. Les deux départements avaient déjà une politique agricole commune. Désormais, leurs pratiques vont converger vers des objectifs communs. Après deux années de travail, nous allons aider les premières exploitations sur la production laitière. Donc c'est une première, c'est des actions qui ne sont pas encore aidées par les autres partenaires. Et le Conseil Savoie-Mont-Blanc va mettre jusqu'à 40% d'un plafond de 200 000 euros par investissement d'outils de production. Très concrètement, le Conseil Savoie-Mont-Blanc va apporter une aide financière pour que les exploitations en alpage puissent investir notamment dans des nouveaux outils de production. Les objectifs, c'est redynamiser la production laitière, accompagner les agriculteurs, leur donner une valeur ajoutée un petit peu supérieure, aménager la montagne. Les alpages, ils sont fragiles, il faut les respecter. La visite des alpages avec des animaux, des troupeaux, c'est un plus. Donc ce sont tous ces sujets qui ont fait que nous avons accompagné l'agriculture. C'est aussi une politique véritablement économique et d'aménagement du territoire. S'il n'y avait plus d'alpagistes, nos montagnes seraient gagnées par la friche et nous n'aurions plus de produits agricoles de qualité. Donc nous avons la chance dans nos deux Savoies, en Savoie-Mont-Blanc, d'avoir des montagnes vivantes et il faut qu'elles le restent. Et c'est la principale raison de notre engagement politique. En redynamisant cette activité, le Conseil Savoie-Mont-Blanc espère mettre en valeur la richesse de son territoire. La surface occupée par les alpages en Savoie-Mont-Blanc représente 20%. 3000 personnes sont directement concernées par cette activité.
En bref, les restrictions de l'usage de l'eau en Haute-Savoie sont prolongées. Les récentes pluies n'ont pas permis d'améliorer la situation des milieux aquatiques du département. Mais cette brève petite amélioration n'est pas suffisante pour un retour à une situation normale. L'Arve en aval et en amont restent en alerte. Les Us, les Drances et le Fier sont en alerte renforcée. Et le Chéran et la Menoge sont en crise. Pour rappel, le remplissage des piscines privées est interdite. L'utilisation de l'eau hors des stations professionnelles pour le lavage des véhicules est interdit également. Et l'arrosage des pelouses est interdit, lui aussi, en zone de crise. On termine avec un petit salon de l'agriculture. Absolument. Donc ce week-end avait lieu la deuxième édition de Terre Gourmande. C'est à la salle Roche Expo, sur Foron. Cette année, l'agriculture en Savoie-Mont-Blanc, en fête, mettait en avant des produits et des animaux de la région. Un petit salon de l'agriculture, donc, où les visiteurs pouvaient admirer de nombreux animaux, mais aussi déguster des produits du terroir. C'est la fin de ce journal. Déjà, merci à toute l'équipe et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain. Passez une très bonne soirée.